Dans ce village d'Iitate, on a été gravement touché par les retombées de l'accident de la centrale. Il y avait du césium partout. Toute cette partie a été couverte par le césium. Cette rizière aussi. Si vous voulez avoir une idée de l'impact du césium juste après l'accident, voilà. Le césium s'est accumulé dans le sol sur une profondeur d'environ 5 cm, c'est-à-dire de la taille d'un pot de yaourt. Il est extrêmement difficile d'extirper ce césium. Il ne se dilue pas dans l'eau et donc ne descend pas plus bas dans le sol et reste à la surface. Le gouvernement japonais a mis en place une politique de décontamination titanesque et très coûteuse. Partout dans la région de Fukushima, il faut retirer les 5 premiers centimètres du sol, passer au karcher les toits des maisons, les routes, et couper les arbres autour des habitations. À Shidamyo, les terres étaient très contaminées. La décontamination a généré entre 35 000 et 40 000 tonnes de déchets radioactifs. Le stockage provisoire est prévu pour une durée de 30 ans. Les déchets doivent ensuite être stockés définitivement ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de centre de stockage définitif au Japon. Qu'est-ce qu'on fait de cette radioactivité qu'on ne fait toujours que déplacer? Alors, on la déplace, on cherche à la stocker, hein, on la stocke de manière très notoire dans ces espèces de citadelles qu'on voit maintenant dans le paysage, dans la préfecture de Fukushima. C'est un problème qui est, à mon sens, extrêmement visible dans le paysage et dont les gens ne se débarrassent pas, évidemment. Enfin, on est loin du compte, quoi. Dans la plupart des cas, et notamment parce que Fukushima, c'est un département qui est très forestier, cette décontamination, elle a un effet limité puisque on va décontaminer un endroit, mais les sources de radioactivité vont toujours être pas très loin. Donc, avec le temps, ces sources vont migrer et là, du coup, les effets des travaux de décontamination vont être à très court terme, en fait. Je voudrais vous dire une chose très importante. La démarcation de la vie, ici, elle est de 5 cm. Je veux dire par là qu'il y a une terre fertile de 5 cm sur ces champs. Pour parvenir à cela, il a fallu des dizaines d'années de travail pour chaque génération. Il y a 300 ans, pour la première fois, des gens sont venus vivre ici. Il a fallu tout ce temps pour arriver à cette fertilité. Et ces 5 cm qui représentent la vie, les gens ont décidé de les faire enlever. Ils vont perdre en quelque sorte leur support de vie. Mais ils acceptent cela, non seulement pour protéger leur santé, mais aussi pour ne pas perdre à jamais ces terres qui leur viennent de leurs ancêtres. Ils ont été transmis de cette terre, et ce n'est pas si facile de les faire.